Maxi Blarf, l'enfant de dans la forêt, le roi du taxi basket, l'enfant de la famille Borzenberger, le petit-fils de grand footballeur professionnel, le petit bourgeois dont tonton est astrophysicien, nous explique ce que c'est qu'être bobo ou ne pas être bobo. Non, je peux pas valider ça. Mais en même temps, Franck, que je connais bien, c'est bien fait pour ta gueule. Parce que t'as pas arrêté de lui lécher les boules depuis 2 ou 3 ans. T'as même appelé ta série Validée. Carrément, tu likais toutes ses photos, tous ses trucs, tout ce qu'il dit, tout n'importe quoi. Je suis désolé, mais t'aurais dû arrêter de pomper le dard, franchement. Et c'est la seule publication que t'as pas validée. Ah, Maxime Blanc. Oh merde. Ah putain, je suis bien. Ah Maxi Blarf, t'es le meilleur. Putain. Ah Maxi Blarf, putain, t'as osé quand même. Hein. T'as osé quand même. Hein. Putain de merde. T'as osé t'exprimer quand même. J'en reviens pas quand même. Quand j'ai vu ça, j'ai sursauté. Les gens, ils m'ont envoyé ça, ils m'ont dit, mais ils respectent rien. Eh hey, mais tu respectes pas les enfants qui ont galéré dans la cité. Là, ceux qui reçoivent des colis en ce moment-là. Eh là, ça reçoit des colis alimentaires dans les cités. Et on parle pas de tes après-midi avec Marie-Églantine et tes petits morceaux de foie gras au goûter. Mais t'es un ouf. Non mais attends, mais c'est un ouf ce mec. Non mais attends, mais c'est des malades ces gens-là. Mais la vérité, il respecte pas la misère. Il est en train de nous donner des leçons. Il y va, hein, sans pitié, le mec. Il y va sans pitié. Pinocchio. Mais je dois dire une chose. Franchement, vous sentez qu'il est malheureux. Hein. Ça se passe trop mal pour lui. Vous avez vu ce que je fais. Là, ça fait des années. Vous voyez? Et puis en plus, il vient encore de se cramer. Hein. Quand je vous ai dit que soi-disant son compte qui était fermé, soi-disant, il n'avait plus de compte, bah, là, il le montre tous les jours que c'est bien lui derrière son compte. Hein. Hein, vous avez encore preuve que tout ce que je vous raconte, c'est la vérité. Ces mecs-là, c'est des escrocs. S'il vient pas en France, vous savez pourquoi il vit pas en France? Parce que s'il vient en France, il se fait découper. Ce mec-là, s'il vient en France, il se fait découper. Là, il fait son malin à Miami, tout ça. Là. Mais le mec, quand il vient ici, vous avez bien vu avec TPMP, ça bégaye. Et vous savez ce qui le dérange, finalement, dans la série de Gaston Bide? Je vais vous dire, moi, ce qui le dérange. C'est qu'en fait, elle est inspirée, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées sur lui. Moi, j'ai pas vu la série, hein, personnellement, mais on m'a expliqué. En fait, tout le monde explique que c'est un gros traître, un gros manipulateur. Et en fait, Franck, comme il connaît des gens que je connais, on se connaît tous, hein. Et en fait, ils ont tout expliqué. Et ça, il a pas encaissé. Il a pas encaissé. Il a pas encaissé. Parce que c'est un manipulateur, c'est un escroc. Et voilà, tout le monde le sait maintenant. En plus, ce qu'il supporte pas, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous ceux qu'il a critiqués, Damso, Gims, et Jul, est devenu le plus grand vendeur de disques. Et tout ça, c'est arrivé comment? À cause de Carteron. Parce que Carteron, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Lui, il pensait que c'était un petit clash, comme il avait l'habitude de faire. Non, moi, je suis Carteron. Et quand je tiens quelqu'un, je le lâche pas. Tu peux leur demander à tous, hein, je lâche jamais l'affaire. Et c'est pas terminé pour lui. Là, regardez. Toute sa vie, c'est un mensonge. Vous savez, je vais vous dire, hein, son manager, c'est Anne Cibron. Anne Cibron, c'est un avocat, une fille à papa, son père, c'est un grand PDG. Ces mecs-là qui sont en train de vous parler de la cité, le mec, je sais même pas d'où il la connaît, cette Anne Cibron. C'est ses copains, ses amis d'enfance, ça. C'est une alcoolique. Elle est sur Paname. Vous pouvez la trouver, cette meuf-là. Anne Cibron. Vous regarderez. Sinon, c'est une avocate. Vous savez, quand vous avez de l'argent, pas besoin d'être con. Si vous n'êtes pas trop con, forcément, vous allez faire des études. Et elle, c'est une fille de PDG. Donc elle s'amuse à faire le hip-hop -E, elle tient des trucs, etc. Ça l'amuse. Mais leur vie, elle est faite à ces gens-là. Et ces gens-là viennent te parler de. Vous parler du rap. Retapez Anne Cibron, vous allez comprendre. Oui, la cité de Meudon, la forêt, vous avez tout compris. Et les mecs. Il a la rage parce que il a cru que Franck qu'il allait faire un film à sa gloire. Genre, l'histoire qu'il a racontée, que sa mère elle faisait des ménages. Mais vous avez déjà vu un mec, vous avez déjà entendu parler d'un mec de cité, sa mère elle se fait soulever pour 1 million d'euros. Mais vous êtes con quoi, vous avez déjà vu ça? Sa daronne elle s'est fait soulever pour 1 million d'euros. C'est qu'ils savaient très bien où ils allaient. Les Borzenberger, c'est des gens extrêmement riches. Le mec, il vous a mis une casquette à l'envers, il a fait le métis et hop, 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 hop. Oh là là, grand manque de respect aux gens des cités. Et vous, pas parce que c'est Maxi Blarf, comprenez? Et voilà, donc ces mecs-là.
Non, sur l'entraînement, c'est pour ça, je m'entraîne beaucoup. Bah oui, je fais attention à mon hygiène de vie. Je veux pas être un gros avec des gros nichons, comprenez? Donc, ce que je vous dis, c'est, vous allez voir, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tout ça se sait, tout se sait, et voilà. Bon ben, Franck, vraiment, 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 tu vois, comme quoi, faut jamais sucer les boules des gens. Tu l'as validé, tu l'as survalidé, tu l'as liké, tu l'as double like, tu l'as sur-like. Il marquait n'importe quoi. Il aurait pu traiter toute ta race. Tu likais. À chaque fois qu'il disait une connerie, tu likais. Et à la fin, il t'a craché dans la gueule. J'avoue, j'ai rigolé. J'ai rien contre toi. Mais j'ai rigolé parce que, franchement, Franck, je t'aime bien, mais franchement, t'es trop, je sais pas ce qui t'est arrivé en ce moment, c'est showbiz. Arrête de te pomper le dard. T'as cru que voilà, tu voulais t'inspirer sur la cité, mais c'est, tu voulais t'inspirer de la cité, mais attends, ouais, parle avec Mac Taylor, t'as vu, on se connaît bien, c'est quelqu'un qui connaît la cité, ouais. Mais attends, Maxi Blarf, à part faire son petit manipulateur à 400 ans, là, tu as raison, t'as bien pris les notes, et tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Il fait ses petites manipulations, il se cache à Miami, après il fait le show. Bah ouais. Bah tu l'as vu à mes TPMP, il n'y avait plus personne. Voilà la vérité. Et ça dérange. Parce que hey, après, après, il sert des trois petits bamboulas qui arrivent pour un disque, ils sont capables de vendre leur mère pour un peu de gloire. Une meuf de banane, ils sont contents. Et puis le jour qu'ils se réveillent avec leur meuf, elle leur dit, je suis enceinte, faut que tu ramènes à bouffer à la maison. Bah, y a plus. Ils disent, hey, donne-moi de l'argent, j'ai besoin d'argent. Et là, il les quitte, il dit, hey, on ne travaille plus ensemble. Quelle bande de crétins. Vous comprenez, c'est que des crétins, ces gens-là. Vraiment, c'est que des crétins. Mais le problème de Maxi Blarf, c'est qu'il a cru que j'étais un gars de la cité, bête comme eux, quoi. Tu vois, le mec qui réfléchit pas. Sauf que moi, j'ai toujours bossé pour moi. Donc, je sais comment ça marche, les rouages du business. C'est pour ça que je l'ai cramé à chaque fois qu'il a raconté une connerie. Bon.